Bonjour à tous, vous venez de me voir faire un petit aménagement sur l'établi, cet établi de fortune que j'ai construit dans les dernières vidéos. J'ai mis une butée, une petite corde, ça me permet d'être un peu plus à l'aise et je vais pouvoir construire mon premier projet, un outil, toujours pour progresser dans cette chose que j'ai envie de réapprendre à faire avec pas grand chose, avec les moyens du bord, faire avec ce que j'ai à portée de main. Aujourd'hui, le projet, c'est une scie à cadre, je vais pouvoir la faire parce que j'ai glissé dans la boîte japonaise une lame de scie, la même lame de scie que celle que vous pouvez me voir utiliser à l'atelier, sauf que je l'ai raccourcie en prévision. Allez, c'est parti, je vous la montre en détail sous toutes ses coutures à la fin, puis on fait un petit bilan des techniques que j'ai eu ou redû apprivoiser parce que j'ai pas l'habitude de travailler le bois vert, j'ai pas l'habitude de travailler 100% avec des outils à main. Allez, à tout de suite. Could cry, but I won't. Follow me, she said as she started to run. And I watched on as the rain came down. Thank you.
glint in her smile, glint in her eye. Watched on by, we were soaked to the bone. C'est la petite hache. La petite hache que j'ai, c'est une petite hache, on va dire, très traditionnelle, très polyvalente, mais elle n'est pas faite pour dégauchir, elle n'est pas faite pour dresser la face d'un bois. C'est les haches qui font ça sont des doloirs, sont des haches qui ont un seul tranchant, un côté droit, et qui ont un manche déporté, ce qui fait qu'on ne risque pas de se cogner quand on va pas utiliser la hache, puisqu'on n'a pas le manche dans l'axe du tranchant. Bon, vu le peu d'utilisation que je fais, peut-être je vais m'y mettre, mais pour le moment, je n'ai pas nécessité d'avoir ce type de matériel très spécialisé. Donc, c'était un petit peu plus galère de dégauchir avec la hache. Autre chose aussi que j'ai remarqué, c'est que la hache, si vous l'utilisez dans le sens du fil, de même que on travaille très rarement avec le ciseau dans le sens du fil, parce qu'on se fait embarquer par le bois. Et le bois que j'ai sous la main, vous avez vu,
il est plutôt tortueux. Il y a en plus une partie de bois qui a été plus ou moins attaquée, au sens, c'est pas vraiment attaqué, mais pour qu'il soit noir, noir comme ça, je pense qu'il y a eu des petites infiltrations d'eau, des choses comme ça. Ce qui fait que, voilà, mon bois était délicat et j'ai eu des bons résultats pour dresser quand je travaillais avec la hache en travers fil. Ce qui, somme toute, je ne l'avais jamais fait, donc je l'ai découvert, mais c'est assez logique. Quand on veut ajuster un tenon, quand on veut ajuster une surface au ciseau à bois, on ne le fait pas dans le sens du fil. On a très très grande chance, si on le fait dans le sens du fil, de se laisser embarquer, d'avancer avec le fil. Et donc si le fil est tordu, bah, on va dresser une surface tordue. Tandis que quand on travaille en travers fil, la planche du ciseau à bois permet de nous guider. Donc ça, pour moi, c'est le gros apprentissage de l'utilisation de la hachette et de la manière dont j'allais pouvoir dresser des petites planchettes. Pour le reste, je suis resté sur des choses assez classiques. Oui, j'ai découvert les outils de sculpture ou redécouvert les couteaux de sculpture, mais j'avais passé tellement de temps dans ma jeunesse avec un opunel à faire des lance-pierres, à décorer des petits morceaux de noisetier, des choses comme ça, que quelque part j'ai retrouvé des gestes. Bon, ici on est sur des couteaux qui sont beaucoup beaucoup plus tranchants, très très pratiques quand ils sont là sur la fine pointe. Elle est tellement fine, l'acier est tellement bon que c'est vraiment un vrai plaisir. Un vrai plaisir, je pense que je vais poursuivre un petit peu mes expérimentations au niveau de cette sculpture. Pour le reste, bah, je ne vous ai pas montré comment elle fonctionne, tout simplement parce qu'elle n'est pas affûtée. Si vous me suivez depuis longtemps sur la chaîne, c'est une lame de scie que j'avais un peu maltraitée pour un assemblage de l'établi. J'avais réduit sa voix, elle avait beaucoup travaillé, donc je dois trouver, avec les moyens de fortune que j'ai là, un moyen à la fois de la voyer et de l'affûter. J'ai la lime, mais j'ai pas de pince à avoyer. Je pense que je vais essayer de le faire à la pince. C'est les premiers essais que j'ai fait qui ont l'air un petit peu plus fructueux. Voilà, voilà. Ah si, je ne pouvais pas vous laisser partir sans vous dire un grand merci. Vous êtes près de 2000 à vous être inscrits au cours gratuit. Donc je vous dis merci, je sais qu'à la fois ça vous fait plaisir, mais ça me fait toujours plaisir de voir l'intérêt que vous portez à mon travail. Voilà, sur ces bonnes paroles, je vous dis à très très vite pour des prochaines expérimentations avec les moyens du bord. Quant à vous, je compte sur vous pour être actif et faire également avec ce que vous avez sous la main. Bye bye!